Donc j'enregistre un petit peu cette intervention d'un questionnement par rapport à tout ce qu'on vit. Les questions vont être assez difficiles, mais on a quand même la chance que ce soir nous sommes déjà, pour les Hébraïsans, dans le mois de Kislev. Et le mois de Kislev, bon, Kislev, c'est la lumière, c'est Hanouka, et que la lumière puisse se lever. Donc c'est voilà, la lumière commence à se lever, et puis on a cette lumière de Hanouka. Et je pourrais dire, puisque bon, pour ceux qui ont lu mes livres et qui connaissent un peu la symbolique de Hanouka, c'est aussi la notion de la lumière dans les ténèbres, puisque c'est illuminer les éléments extérieurs. Donc, je ne vais pas faire un cours sur Hanouka, peut-être que j'en ferai un autre à l'occasion, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de se réfléchir, de poser des questions par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et s'il y aurait peut-être, je ne dis pas qu'il y a des réponses, on verra un peu par rapport à nos échanges. Alors, ce que je dis que face à l'actualité, je reprends le texte que je vous ai envoyé, face à l'actualité, face à la guerre, face à l'horreur. Puisqu'on a été confronté non pas aux guerres qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, puisque on a été confronté aux horreurs des images. Alors évidemment, nous avons beaucoup de questions. Et je dirais, pour ma part en tout cas, qu'il me semble qu'il y aurait peut-être un retournement de toutes les réponses qu'on pouvait avoir, que nous avions et que nous aurions même peut-être. Je ne suis pas le seul à penser ça, hein, donc je reprendrai aussi. Tout à l'heure, j'ai écouté une intervention de Shmuel Trigano qui va un peu dans le même sens. Je reprendrai quelques observations qu'il a notées. Alors, toutes ces questions existentielles que j'ai partagées avec vous, que nous partageons depuis que le monde essaie d'être un vrai monde, et je pourrais dire par exemple, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort? Et on en a déjà parlé, hein, la notion de vie et de mort. Le cahier des vivants, c'est pas simplement des personnes qui sont vivantes au niveau de leur présence ici même. Il y a des morts vivants et des vivants morts. Hein, ça, on l'a déjà compris. Mais on va essayer de... C'est aussi une question qui est extrêmement importante quand Dieu nous dit, je mets devant vous, le chemin de vie et le chemin de mort. Choisissez le chemin de vie. Il y en a qui choisissent le chemin de mort. C'est-à-dire que c'est un choix. Et on va dépasser un petit peu la notion de la, j'allais dire, de la mort physique naturelle. Puisqu'on peut être vivant et être complètement mort. Et on peut quitter ce monde et être vivant. Et les grandes questions qu'il y a avant ces éléments, c'est toujours pareil, la souffrance, le mal. Mais jusqu'où on pourrait parler du mal dans nos philosophies dit que le mal retourne au bien, un mal qui pourrait être réparé, un tikkun du mal, jusqu'où on peut parler de ce mal qui pourrait être aussi une semence, un fumier qui permettrait d'apporter un peu plus de vie et par rapport à ce que nous avons vécu. Et bon, si je vais résumer, c'est le sens de la vie, hein, on est vraiment là. Et j'espère qu'on aura cet échange sur qu'est-ce que la vie vraiment, lorsqu'on aura élaboré un petit peu notre questionnement sans réponse. C'est important ce que je dis, parce qu'on a tous des réponses, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui devrait émerger. Alors, on a des réponses sur les traditions. On a des réponses que nous avons déjà partagées beaucoup de fois sur la Kabbale, notamment avec le texte qu'on a fait pendant presque une année sur les voies de la direction divine, où on essayait de comprendre comment le divin lui-même organisait son monde. Et puis, il y avait ces questions, qu'est-ce que le messianisme? Ce temps idyllique où bon, il n'y aurait plus de mal, etc. Mais on sait qu'il y a aussi les guerres pré-messianiques et puis éventuellement les engendrements dans la douleur.
Qu'est-ce que la présence divine lorsqu'on est dans le brouillard? Qu'est-ce que la justice divine? Pourquoi le sage souffre et pourquoi nous pouvons voir comment dire, la joie même du mécréant et puis mais du pire, j'allais dire, ordure qui peut exister. Comment ça fonctionne? Alors, on avait des réponses. On avait des réponses quand même. Mais les réponses étaient dans un strat qui pour moi était de l'ordre de l'acceptable. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas refaire le livre, mais il y a des très très belles réponses qui nous permettent de comprendre à notre niveau pourquoi je souffre, pourquoi on souffre, et à un autre niveau pourquoi certains mécréants peuvent prospérer. Mais ce n'est pas des grands, grands, grands mécréants, ce n'est pas l'enfer comme nous avons vu, ce n'est pas la Shoah. La Shoah, il n'y a pas eu de réponse. Et même lorsqu'on a ces réponses, à un moment donné, avec le Ramchal, on voit que, surtout vers la fin du livre, que tout ce que nous avions vu marche à un certain niveau, mais à un certain autre niveau, ça ne marche pas. D'ailleurs, le dernier livre s'appelle le Mazal, etc. Il fallait voir, et j'en parlerai, je pense, il fallait voir qu'est-ce qui se passe au-delà du soleil, au-delà de notre existence. Et puis, si on parle de ces questions-là, ben, puisqu'on parle de vie et de mort, quand on quitte ce monde, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Alors, on parle de paradis, qu'est-ce que le paradis? Et l'enfer, qu'est-ce que cet enfer? Mais est-ce que tout le monde passe par l'enfer? Est-ce qu'il ne faudrait pas quelque part, j'espère que ça marche bien, parce que je vois qu'on demande de... Vous m'entendez toujours? Voilà, je reprends, il y a une coupure, bon, Et puis, je reprends mon texte, et j'étais arrêté justement sur paradis, enfer. Je posais la question, est-ce que tout le monde, écoutez bien ce que je dis, est-ce que tout le monde mérite l'enfer? Et vous allez voir que lorsque je prendrai le texte de la paracha Chayé Sara, donc la paracha c'est la section que nous avons lue cette semaine d'ailleurs, qui parle de la vie de Sara, finalement il parle de la mort de Sara, mais on l'appelle la vie de Sara. Et cette question se pose, et je vais vous lire ce texte-là qui risque de nous apporter quelques ouvertures sur cette question, la question sur la réincarnation, la question sur la résurrection. Et j'ai envie de dire, et Dieu dans tout ça? Puisqu'on utilise Dieu à toutes les sauces, et ben, devant ce qui se passe, devant l'horreur, devant la Shoah, devant des trucs comme ça, on se dit, et Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et où est Dieu? Où est le Dieu de bonté, quoi? Donc, on va oser ouvrir ces questions-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est possible que là, même nos concepts que nous avions, peut-être, ils seraient retournés. Et peut-être qu'il y aurait, parce que, il y a des concepts comme ça du divin, comme Ein od milevado, il n'y a rien d'autre que lui, qu'il est donc maître de tout, et que, bon, éventuellement, ben, si il est acteur dans toute chose qui arrive. Et eh bien ça, c'est quand même difficile à avaler, je dirais, pour l'humain. Donc, il y aurait un espace, il n'y aurait pas le divin, ou comment ça fonctionne? Ces questions étaient posées par la Shoah. Manitou a donné quelques... Il a repris toutes les réponses qu'on pouvait donner, les a tous effacées. Et après, on parle de ce qu'on appelle Esther Panim, la face cachée, l'exil de la Shrina, et on n'y comprend pas grand-chose. Donc, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur ces choses-là. Et le malheur que nous avons, je dirais que c'est bien un malheur, et c'est pour ça que c'est important que je ne vais pas vous rappeler tout ce qui s'est passé. Il y a tellement d'informations là-dessus, je pense qu'on n'oubliera pas. Des témoignages, des choses comme ça, où aujourd'hui même, et encore, tout de suite, malgré tous les témoignages, malgré tout ce qu'on, que eux, que, je ne sais pas comment les appeler, je ne peux pas les appeler ces humains, je ne sais pas comment appeler ces gens-là, mais qui ont fait la propagande de l'horreur. Donc nous avons des images, etc. Ce jour même, aujourd'hui et demain et jusqu'à la fin, on dira que tout ça c'est faux. C'est comme on a dit que la Shoah n'a pas existé ou que bon, il y a quelques milliers de personnes qui sont mortes comme dans toutes les guerres, quoi. Et puis ensuite, chose non plus pour. Des informations, mais pour nous-mêmes, ça passe.
Pourquoi ça passe? Parce que, bon, la réalité, le train-train quotidien, le temps de la contingence, les obligations, le temps de l'éphémère, et puis l'oubli. Et il y a d'autres priorités. Et puis, bon, on a du boulot, on s'occupe de ce qui est. Les questions passent et trépassent comme je l'ai écrit. Et maintenant, si tout ça, comme le dit l'Ecclésiaste, c'était que vanité, éphémère, poussière, on va même dire, pourquoi pas illusion, comme diraient les bouddhistes, sous le soleil, c'est-à-dire quoi sous le soleil, dans notre réalité, sous nos lumières, sous nos croyances, sous nos façons d'imaginer les choses, on a un problème quand même avec notre propre réalité. Alors, évidemment, quand il dit sous le soleil, je vais revenir là-dessus, hein. C'est qu'il y a peut-être une réalité, de toute façon, sous le soleil, mais que la réalité des réalités serait au-dessus du soleil, c'est-à-dire au-dessus de notre visibilité. Et on va voir ce qu'on a comme réponse là-dessus. Je fais que poser des questions, hein. Et je rajoute encore une autre question qui me semble extrêmement importante. Et si c'était le dernier avertissement, pourquoi pas? On a eu plusieurs avertissements depuis la Shoah, depuis. C'était pas. C'est vrai que les avertissements se sont très très rétrécis ces derniers temps. On a les tours de Manhattan qui sont tombées. On a le Corona. On a d'autres guerres. Et puis cette guerre qui semble être une guerre. Qui ressemble. Je dis pas, moi, j'ai pas de solution qui ressemble. Peut-être à la dernière des guerres, peut-être, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, si c'est un avertissement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas passer à côté? Et si, face à cette confusion, on n'a plus de si, comme je l'ai écrit, peut-être. On a juste le temps d'être du bon côté. Sincèrement, c'est des questions, hein. Moi je ne sais pas vraiment. Hein. Et je vous invite à partager ce questionnement, hein, avec moi. Et on verra dans nos échanges, en fonction de vos propres questions, ce qui viendra. Quand j'ai écouté Shmuel Trigano, il allait un petit peu dans ce même sens en disant que il y a quelque chose à retrouver, il y a quelque chose qu'on a perdu. Et il faut, je reprends même ces termes, retrouver d'autres formes de l'appréhension de la réalité. C'est comme si on n'aurait pas réussi à comprendre, à intégrer l'histoire d'Israël. C'est vrai que cette histoire, elle est quand même paradoxale. Depuis que, puisque l'histoire, on va la prendre même au niveau biblique. Je vais essayer de reprendre un petit peu quelques éléments de cette histoire biblique, quand même, pour donner une piste de là où je vous emmène en même temps, hein. Et finalement, on voit que même si on a des textes, même si on a des réalités, l'histoire, l'historiosophie, le sens de l'histoire, et il y a les historiens, qui seraient eux les référents normalement. Et voici que les historiens s'acharnent à détruire cette histoire. C'est comme si elle est gênante, cette histoire. Il faut pas qu'elle existe. Donc, c'est toujours dans le cadre de cet échange, hein, avec Shmuel Trigano qui dit il y a une dimension à reconquérir. Et là, on voit bien qu'est-ce qui se passe, hein. Une forme de changement d'intention, de kavana, d'origine, et puis quelque chose qui est beaucoup plus grand que tout ce qu'on a déjà vu. Puisqu'on a vu le pire, parce qu'on doit voir le pire dans le sens positif aussi au niveau des lumières. Rien à voir avec ce qu'on a appris au niveau de la dimension rabbinique de la Torah, ni politique, ni religieuse. Il y a une étrangeté au niveau de la fondation d'Israël. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Il y a une étrangeté sur le projet divin au niveau de l'humain, qui doit être créé à l'image d'Elohim, Betzelem Elohim bara oto. Ça veut dire quoi?
Parce qu'il y a toujours cette idée-là de dire de voir toujours le divin à travers l'humain. Mais jusqu'où ça peut être encore du divin? Et puis, est-ce qu'il y a un sens? Parce qu'il y a des guerres dans la Torah, il y a sans arrêt des guerres. Est-ce qu'il y a un sens à ces guerres-là? Est-ce qu'elles sont indispensables? Ou est-ce qu'elles sont locales, elles sont mondiales? Aujourd'hui, on ne sait plus si on a une guerre locale, régionale ou mondiale, on ne sait plus. Donc il y a une notion de retourner à ce qu'est-ce que l'humain. Tout à l'heure j'ai dit qu'est-ce que la vie, mais qu'est-ce que l'humain? Et pourquoi il y a une centration comme ça sur l'idée de reconnaissance d'Israël? Et donc pas la reconnaissance d'un peuple juif qui a été martyrisé, qui a vécu la victimisation. Non, 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 maintenant on a une autre représentation d'Israël qui serait un peuple victorieux. Et ça, c'est pas encore dans les concepts. Vous verrez aussi, bon, si on parle un petit peu de l'arbre de vie, j'espère qu'on dans la deuxième partie, peut-être au niveau du questionnement qu'on fera avec vous, quand on regardera l'arbre de vie, il y a la notion de Netzar. La notion d'éternité d'Israël. Beaucoup de personnes se posent une question, comment tous les empires disparaissent, tous les empires qui ont voulu exterminer Israël disparaissent et Israël est toujours là. Donc il est plus il a été le peuple esclave, le peuple en exil, le peuple victime, mais à chaque fois, il y a quelque chose, une résurgence, quelque chose, une forme de nouvelle naissance. Il y a eu la souffrance en Égypte, paf, il y a eu la Torah. Il y a eu la souffrance en Espagne, il y a eu la Kabbalah, il y a eu la souffrance, la Shoah, et là, le retour du peuple d'Israël sur ta terre. Et puis, le nombre de teshuvah, de retours de personnes qui reviennent au principe de la Torah. Donc, tout ça, ça fait partie des grands étonnements que nous avons. Ça, c'est les questions que je pose. La première chose que j'ai pas découvert, mais qui m'a interpellé, c'est un texte qui est pour moi imbuvable, biblique, qu'on appelle le sacrifice d'Isaac. Et il s'agit de la émouna, de la foi. Et j'ai du mal à imaginer un Dieu qui est heureux de voir un homme qui serait l'homme de la foi parce qu'il a accepté de sacrifier son fils. Dernièrement, j'ai voulu le lire, ce texte, autrement. Et ça m'a éclairé un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je vais tout le reprendre parce qu'il est un petit peu long. Mais je vais reprendre quelques éléments. C'est dans Bereshit, au chapitre 22. Vayi achar hadevarim haele, ve'Elohim nissa et Abraham. Donc voici ce jour-là que c'est pas l'Éternel, c'est Elohim. Et là, il faudrait qu'on parle tout à l'heure de la notion de Dieu dans les différentes formes qui se présentent. Et Elohim, c'est déjà un nom divin qui est dans la rigueur et dans la justice. Et on verra qu'est-ce qui se passe au niveau de Hachem, Yud-Kevav-Kel, et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là. Donc il y a une épreuve. Vayomer Elav, Avraham, Vayomer, Ineni, voici, je suis là. Et il lui dit, prends donc ton fils, je lis directement la traduction, ton unique, celui que tu aimes, pourquoi il pose cette question? Parce que bon, il n'a pas qu'un fils, il n'a pas qu'un unique, etc. Il n'en a pas qu'un seul qu'il aime, Israël. Donc, c'est des questions. L'Erchlecha, vous voyez ce mot l'Erchlecha qui revient, et va vers toi. Donc, déjà, cette épreuve, elle est en relation avec la notion de l'Erchlecha, de la. L'intégration de ce que je suis moi-même. Donc Abraham, il a ici une épreuve vers lui-même.
Et finalement, là, il donne un lieu. C'est le premier lecha qu'on a dans la Bible, il n'y a pas de lieu. Et là, on donne un lieu, qui est donc à Moria. C'est pratiquement, on est en train de parler d'Israël ici. Et c'est marqué, via Aléou, Cham, Léola. Et fais-le monter là-bas en holocauste. Et la plupart des commentaires voient ici le sacrifice. Et on sait que c'est pas un sacrifice parce que, et c'est pas, il y a un commentaire aussi, Rachid lui-même, il dit non, non. La notion, c'est de faire monter le fer, c'est une forme de sacrifice spirituel. Il n'y a pas une question de, il y a un ligotage, il y a un principe comme ça, mais c'est pas une demande de tuer son fils, tout simplement, pour le faire monter spirituellement. Par exemple, je vais lire rapidement. Il prend ses deux serviteurs avec lui, et Isaac, ton fils, il prend le bois, etc. Il se lève, et il dit à ses serviteurs, je lis en diagonale, hein, pour pas aller trop vite, mais je reprendrai ce texte, il est très puissant. Il dit à son, restez là, chez vous la chempo, Imachamor, avec l'âne, il faut voir la symbolique de l'âne, et Annie et moi, Vianar et le jeune homme, donc Israq, Nelcha, on va aller ad ko jusqu'à là-bas, parce qu'ils ont vu à l'endroit où il faut venir, Vénishtachave, Vénashuva. Et nous allons donc faire un travail de prosternation, Vénashuva, et nous reviendrons. Donc déjà, Abraham, il ne sait pas de quoi il parle. S'il y a un sacrifice, comment il fait pour revenir? Et dans le texte ensuite, lorsqu'il se retrouve face à cette interrogation s'il doit sacrifier son fils ou non, le texte vient de dire ne touche pas cet enfant. Alors, je vais aller vite parce que sinon je vais prendre trop de temps et je vous reprendrai ce texte. Ne touche pas cet enfant. Donc quoi, Dieu a changé d'avis? Nous sommes dans une période où le sacrifice d'enfant était classique. Et ce qui se passe ici, c'est le contraire complètement. C'est le non-sacrifice d'Isaac. C'est-à-dire, c'est les périodes où il faut arrêter avec les sacrifices. C'est pour ça qu'il y a un agneau qui vient remplacer le sacrifice. On est à la fin des sacrifices humains. C'est-à-dire que c'est une période difficile. Et pourquoi on est à la fin des sacrifices? Parce que l'être humain, il veut la vie. Alors comment on peut demander la mort si on veut la vie? Je parle même de la vie physique, hein. Et ce que je dis ici, c'est qu'on a aussi des populations qui sont gardés cette idée-là, que le vrai sacrifice, c'est le sacrifice humain. Et vous voyez aujourd'hui, pour ce qui se passe aujourd'hui, les personnes qui sont soi-disant des martyrs, ils vont s'exploser rien que pour tuer, mais en même temps surtout qu'ils meurent eux-mêmes, afin de mériter le paradis là-haut. Un paradis avec dans tout ce que vous pouvez imaginer, etc. Cette reconnaissance qu'on a avec Abraham, c'est pas cette foi de dire, ah, voici un homme qui est capable de sacrifier son fils comme holocauste, il fallait faire monter le niveau d'Israël. Il y a un principe d'amour qui est de la part d'Abraham, mais l'amour seul ne peut pas tenir. Il va falloir que Abraham fasse un certain travail sur lui-même pour que cet amour soit lui-même conditionnel. C'est pour ça que je dis qu'au niveau d'Abraham, on est dans le cadre de l'amour conditionnel. Et on a un autre côté, quelque chose qui est de l'ordre de la justice. Mais si la justice est trop forte, le monde ne peut pas vivre non plus. Le monde ne peut vivre ni par l'amour total, universel, inconditionnel. Il n'y a pas d'incarnation possible à ce niveau-là. On verra tout à l'heure quand je vous montrerai avec l'arbre des Séphirotes. Il n'y a pas d'incarnation possible si c'est que sur la justice, Elohim. Il faut une association entre les deux, Hachem et Elohim. Il faut ces deux éléments
pour arriver à ce qu'on appelle l'équilibre de la balance et que ce monde soit vivable. Ça, c'est une première chose. J'ai pas pris le texte entièrement parce qu'il est un peu long. Mais en tout cas, c'est une version qui change qui change l'optique déjà de la foi. Et quand on perd un enfant, malgré toutes les croyances qu'on a, on a des questions qui se posent là-dessus. Et lorsqu'on voit que on est capable de l'autre côté de sacrifier la vie pour je sais pas quoi, c'est juste ce qui va pas. Dans les conflits que nous avons au niveau biblique, là je reprends des choses que je sais, hein, après on va rester quand même sur notre interrogation. Il y a deux formes de conflits. Ça, je reprends des enseignements de Manitou, hein, à la vache à l'homme, qui a été quand même mon maître, aux deux niveaux, hein, M-E-T-R-E et aussi M-A-I-T-R-E. Manitou disait qu'il y a des conflits fraternels entre les enfants d'Abraham, qui vont commencer avec Isaac et son frère Ismaël. Il y a une alliance qui a été faite avec Abraham. Donc évidemment, il y a une forme d'héritage de cette alliance qui va aussi aller chez les enfants d'Abraham. Alors du fait qu'il y a aussi cet héritage, etc., on peut comprendre qu'il puisse y avoir un conflit entre Ismaël et Isaac sur l'héritage d'Abraham. D'accord? Principalement cet héritage est de nouveau sur de la terre. Puisque Ismaël, il a continué à évoluer au niveau spirituel, sans passer par des formes idolâtres, et il y a une possibilité de vivre ensemble au niveau spirituel. Mais où? Après, il y a des conflits au niveau du territoire. Mais dans la Bible, il y a une fraternité qui revient à la fin. Donc il y a une possibilité de fraternité entre Ismaël, qui va devenir le monde musulman, et Isaac, qui va devenir le monde juif. Ça va être exactement la même chose avec l'autre conflit, les autres enfants, les enfants maintenant d'Isaac, qui sont Jacob et Ésaü. Le conflit est un peu différent, c'est le droit d'aînesse. Et ce droit d'aînesse, c'est aussi la question du ciel, du spirituel. Donc, il y a un conflit. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est des choses que j'ai beaucoup dit, mais c'est un conflit de famille. Et il semblerait dans la Bible que cela va s'arranger. Je parle des antagonismes. J'en profite en même temps pour dire quelque chose pour comprendre que ce qu'on vit là, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans ce conflit fraternel. Conflit fraternel, c'est-à-dire humain. Humain. C'est bon, les hommes sont comme ça. C'est pas beau, c'est pas gentil, mais c'est humain. Et ça va s'arranger. Et ces mots qu'on a peuvent se transformer, peuvent avoir un tikkoun. Et quand Abraham, on lui dit, par toi seront bénies toutes les familles du monde, c'est les familles. Et on va voir qu'est-ce que le mot famille, parce que les familles, ça ne veut pas dire tout le monde. D'après les tests qu'on a vus, les familles, c'est les personnes qui aspirent, quoi qu'il en soit, à la paix. Alors, je veux prendre le territoire pour moi, mais je veux la paix. Et comme ça vient avec moi, tu es sous mon territoire et tu auras la paix. Donc c'est quand même une visibilité. Pas la plus juste, mais après on verra comment c'est possible. Il y a une visibilité de la paix possible. Les deux veulent la paix. Les trois, les dix, les 70 veulent la paix. À ce moment-là, il y a une possibilité de bénédiction pour toutes les familles du monde. Il faut être famille, c'est-à-dire il faut aspirer quand même à un projet divin qui est un projet de paix et de fraternité. Après, comment ça se répartit, c'est un problème. Oh, que c'est les guerres fratricides qui peuvent s'arranger. Lorsqu'il y a eu l'Égypte, il y a eu on pourrait parler d'horreur en Égypte aussi, quelque part, mais peut-être pas autant que ça, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on nous raconte des choses sur l'Égypte, sur l'esclavage d'Égypte, etc., que d'abord ils ont prospéré, après il y a eu. Donc, on est confronté avec l'Empire égyptien, rien à voir avec notre Égypte d'aujourd'hui, et il y a le principe, c'est Pharaon. Pharaon,
La bouche mauvaise. Lui aussi, il a un problème avec Israël. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est obligé de quitter l'Égypte. Obligé, il y a une intervention divine, etc. Bon, ok, on va sortir, on va être sauvé. Et ben, les Égyptiens, ils vont prendre ce qu'ils doivent prendre. Et à ce moment-là, les enfants d'Israël chantent le chant de la victoire. Ils chantent en même temps la mort des Égyptiens qui étaient leurs tortionnaires. Bon, c'est tout à fait normal, c'est des humains. Et voici que les anges chantent avec les humains. Et là, Dieu intervient, il dit, mais pourquoi vous chantez, vous êtes des anges? Il dit, oui, mais on a sauvé ton peuple, etc. Mais non, mais moi, j'ai sauvé mes enfants, mais ceux-là aussi sont mes enfants. Donc on ne peut pas chanter la mort de mes enfants. C'est-à-dire que là encore, on était dans une problématique, antagonisme entre l'Égypte et Israël, mais réparable. Et l'objectif des enfants d'Israël qui est parti en Égypte était un objectif justement de Or LaGoïm, lumière pour les nations, qui était représenté par Pharaon à cette époque. Et l'idée, c'était de sauver l'Égypte et non pas le détruire. Ça n'a pas marché. Pour qui, pourquoi? C'est pas simplement que à cause d'ailleurs les commentaires dire qu'on a raté notre coup en tant disons que porteur de message. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le boulot comme il fallait faire ou Pharaon il a exagéré, etc. Bon, c'est pas mon problème. Il y a beaucoup de choses là-dessus, mais tout ça, ça va disparaître, on ne va plus en parler, d'après nos textes aussi. On parlera vraiment de la dernière délibération, tout ça, on en parlera un petit peu, etc. Mais ça veut dire en même temps que, du point de vue divin, l'Égypte fait partie de l'humanité. Donc, on ne peut pas se réjouir de la mort de cette Égypte. Mais il y aurait une catégorie d'humains, qu'on appelle Amalek, dont l'objectif n'est pas de je veux mon territoire, c'est moi qui ai l'héritage spirituel, c'est pas des guerres de frères. Il y a que l'objectif, c'est la destruction d'Israël. Et là, la Bible est assez dure avec ce peuple en question. Puisque lorsqu'on parle de la guerre d'Amalek, il faut aller jusqu'au bout. Et là, les questions se posent. Si c'est un humain, ben comment tu veux aller jusqu'au bout? Ça veut dire quoi? Et ça, je ne veux pas reprendre. J'ai pris un livre qui s'appelait, par hasard, un livre qui s'appelle L'Unité. L'Unité. Et on avait fait, le cours, il y est sur Internet. Et bon, L'Unité, et ça commence par, et ça, c'est dans la Bible aussi, dans Nombre 31, 1, 4, et l'Éternel, et là il s'agit de l'Éternel. On parle d'Hachem, on parle plus de Elohim. On avait l'habitude qu'Éternel, c'est bon, le principe unité, le principe d'amour, etc. Qu'est-ce que ça vient faire? Parle à Moïse, en ces termes, porte la vengeance des enfants d'Israël auprès des Midianites. C'est quoi ce mot vengeance? C'est pas très sympa, comme au niveau humain pour les écologistes, etc. C'est quoi cette vengeance? C'est la notion. Bon, je donne un principe. Il y a eu tellement, c'était tellement dur que on passe par cette idée de vengeance. Mais la vengeance, il semblerait que c'est une vengeance d'Hachem lui-même. J'ai fait ce texte avec vous. Mais l'agence, ça veut dire que c'est on met en place maintenant la justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester simplement sur la notion d'amour universel, etc., inconditionnel. Non, on est dans l'amour conditionnel. Là, la justice peut intervenir. À quel niveau la justice doit intervenir et jusqu'où cette idée de vengeance, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça me fait aussi mal que pour beaucoup de sensibles comme nous. C'est quoi cette histoire? Et là, je prends un autre texte, c'est ça que je voulais surtout partager avec vous, c'est Chayé Sara. Là j'ai une petite copie, c'est le texte de Chayé Sara, de la paracha dans la Genèse
qui parle de la vie de Sarah. Je vais sauter la première partie qui est extrêmement intéressante, puisque je ne sais pas quel rapport d'ailleurs. On parle tout de suite de Jonas. Ok. Jonas qui ne veut pas faire son boulot. Il doit sauver Ninive et il dit non, j'ai pas envie, etc. Finalement, on voit que faut juste entre guillemets, puisque ça va être le sujet, quand il se jette dans la mer, quand on fait la baleine, il est dans le ventre de la baleine, il sort de la. Donc tout ça, c'est une histoire pas de réincarnation, mais de résurrection. Ce sont des symboles de la mort et de la résurrection. Il faut savoir j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une notion de réincarnation, c'est-à-dire qu'il se monte et on monte là-haut. Et là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Je réponds en même temps les questions, mais avec l'interrogation qui va nous rester. Là-haut, il y a le paradis et l'enfer. Alors, c'est quoi le paradis, quoi l'enfer? Bon, le paradis, c'est le Gan Eden, c'est le temps où il y avait Adam al-Shem avant la faute, etc. Bon, c'est très beau tout ça. Et l'enfer, c'est quoi? Bah, c'est le feu maintenant. C'est comme un hôpital d'en haut. C'est-à-dire que moi, ce Gehinnom, moi j'appelle ça l'hôpital d'en haut. C'est-à-dire qu'on a à régler des problèmes, puisqu'on est une âme, donc on parle d'une âme qui est éternelle, de la même façon qu'Israël est éternel. Donc il y a une âme qui remonte et qui fait un nettoyage. On passe à la grosse machine, hein, grosse machine, au karcher, même, hein, il faut que ça soit kasher en même temps, au karcher, pour nettoyer les scories, et puis après on va au paradis. Et puis on revient pour réparer encore les tikkun personnels qu'on aurait pu faire, etc. Donc tout ça, c'est. Le bouddhisme en parle, beaucoup en parle, etc. Ça, c'est la notion de réincarnation. La question qui va se poser, c'est est-ce que tout le monde peut mériter de passer par même l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer, le Gehinnom? Parce qu'à partir du moment où je suis nettoyé, donc je fais mon tikkun, même si je dois revenir, une nouvelle réincarnation, jusqu'au moment où. Qu'on aura fait plusieurs cycles, on appelle ça la résurrection. C'est rien à voir avec la réincarnation, c'est une mutation d'identité. On n'est plus corporel comme nous sommes, nous devenons un peu, on va dire, lumineux comme était Adam Arishon avant la faute. Bon, ça, c'est des choses qu'on connaît. Il y aurait donc un des cycles de temps de réincarnation. Et la fin de notre histoire, c'est d'avoir un monde tel qu'il était au projet départ. On aurait construit le monde. Nous sommes des constructeurs et on finit par revivre d'une façon pleine, le shalom et tout ce que vous voulez, mais non plus au Gan Eden, qui est un stade intermédiaire, mais après la résurrection, ce qu'on appelle la résurrection des morts. On ne va pas rentrer dans le détail qu'est-ce que c'est, on en a déjà pu parler un petit peu pour ceux qui ont suivi les cours du Ramchal. C'est l'état d'Adam Harishon avant la chute, avant la mortalité, avant tout ce qu'on connaît, etc. C'est pas le sujet, mais bon, ça faisait partie de nos cours, etc. Donc, quand je vais sauter maintenant l'histoire de Jonas, qui parle de ces choses-là, mais à l'intérieur, il va se poser une question sur la notion du jugement. D'une façon générale, le Saint béni soit-il, agit avec bonté envers toutes les créatures. Après, il dit, bon, il reparle de Jonas, au moment où la justice sévère, parce qu'il y a une justice sévère, une justice douce, rachamine, moyenne, et une justice sévère, au moment où la justice sévère sévit dans le monde, le dit tribunal. Alors, je ne vais pas rentrer dans la symbolique hein, tout de suite, parce que la question qui est posée elle va nous interpeller. Ressemble à une femme enceinte qui peine à accoucher, on parle des enfantements dans la douleur, etc. Pour notre propre naissance intérieure, c'est pareil, il peut y avoir des épreuves. Pour l'enfantement du messianisme, on sait qu'il peut y avoir ce qu'on appelle les enfantements dans la douleur, tout ça, ça fait partie de notre symbolique. Mais une fois que la chose est faite, que la femme a mis bas, bon, la colère s'arrête. De même, la justice sévère s'imposant dans le monde, elle ne se tait,
ne s'apaise que lorsque la justice est faite. Donc, une nécessité de. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de vengeance. Donc, on voit que maintenant, la notion de vengeance, c'est l'équilibre de la balance entre l'amour et la justice. Et là, maintenant, on va avoir une question que c'est celle de base et qui m'a surpris. Bon, la réponse m'a surprise d'ailleurs. Quand les méchants périssent, c'est plus n'importe qui maintenant. Ce sont des cris de joie. Ça, c'est les Proverbes 11, 10. D'accord? Quand Salomon dit, quand les méchants périssent, ce sont des cris de joie. Alors, si c'est les cris de joie d'en bas, on l'a compris par rapport à l'Égypte tout à l'heure. Mais là, il parle des cris de joie d'en haut. Et là, pas d'intervention, comme on avait vu tout à l'heure pour la sortie d'Égypte. Et la question se pose, c'est le Zohar maintenant qui pose la question. Cela a été expliqué, il est écrit. Et la question, est-ce que. Et ça, c'est Dieu qui parle. Est-ce que je souhaite la mort des méchants? On pourrait croire que c'est la même chose que ce qui a été dit pour les anges qui chantaient la mort des Égyptiens. Réponse. Oui. Il n'y a nulle quiétude auprès du Saint béni soit-il, tant que la justice sévère frappe les méchants, ici comme avant, que leur mesure soit remplie là après qu'elle a été comble. Et à un moment donné, ça débat, ça déborde. Dans la mesure des fautes, lorsque la faute est pleine, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce qu'on appelait tout à l'heure les guerres fratricides, etc. Là, on a dépassé l'humanité naturelle de l'être humain, même dans sa méchanceté. Et c'est ce qu'il appelle ça, la faute est trop pleine, elle est trop pleine, c'est impossible. Et ça veut dire quoi ce qu'il vient de dire ici? D'après la Mishnah, hein, d'après ce qui renferme, dont je regarde maintenant les commentaires, un petit commentaire qui parle de ça, bon, il faut rentrer dans le texte, il dit simplement que ces personnes-là ne peuvent pas avoir la résurrection des morts. Le monde futur avec la résurrection des morts, c'est pas tout le monde qui passe. Et là, il y aurait une forme de tri qui se fait dans ce cadre-là. C'est pour ça que j'ai dit, bon, il faut être du bon côté, quoi. Donc ça, c'est les textes qui m'ont interpellé. Alors, maintenant, la question va se poser à nous. On a l'habitude de parler du bon Dieu. Et puis on voit des guerres. Et puis on voit qu'il y a une justice. Alors comment ça fonctionne ça? Et quand on pose la question où est Dieu? Comme si c'est lui qui serait donc le commanditaire de la chose, puisqu'il est tout, il est omniprésent, omnipotent, tout se fait par lui. Où est l'amour inconditionnel? Et là, il va falloir qu'on s'explique, et je vais essayer de vous expliquer ça après vos questionnements et éventuellement avec l'arbre de vie. C'est pas une explication, j'espère que j'aurai pas la réponse complète parce que je ne peux pas l'avoir. On est dans un temps où je dirais presque qu'il y a une nécessité de ne pas savoir pour arriver à toucher un inconnu. Mais ça veut dire qu'il faudrait revoir notre concept du divin. Et comme je parle du divin, je parle de Hachem, du nom divin, Yud-Kevav-Ké, qui s'appelle aussi le Dieu d'Israël. Donc, il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Je veux la mort. Comment ça marche pour l'énergie de vie, le principe de vie qui veut la mort? Comment ça marche? Comment ça peut être cette horreur? C'est insupportable. Comment avoir la foi derrière ça? Il y a quelque chose
Et si on n'a pas quelque chose qui vient nous renverser, même au niveau de notre foi, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas perdre la foi, mais si on n'a pas quelque chose qui vient nous dire que non, on s'est peut-être planté sur ce qu'on appelle un agathachem, la conduite divine. Il faut revoir un petit peu. Alors, juste avant de vous laisser la parole et éventuellement d'aller voir un peu comment ça pourrait se passer avec ce que je vais vous expliquer au niveau de l'arbre de vie des Séphirotes, c'est marqué une chose. Bara ra ve osé tov. Ça, c'est dans le texte. C'est-à-dire que le mal a été créé. Donc, lorsqu'il y a un projet divin de créer le monde, parallèlement à ce monde, il y a une notion de bara-ra. Ce n'est pas un vrai mal, mais c'est le principe du mal, d'accord? Qui est créé. Mais dans le monde de la création, et on verra tout à l'heure avec les questionnements, qu'est-ce que ça veut dire créer? Ça n'a rien à voir avec notre monde à nous. Et ce mal dont on parle, ça n'a rien à voir avec les mots que nous avons dans ce monde. C'est le principe de recevoir, le principe féminin, etc. C'est pas le mal en soi, mais il y a une nécessité que le monde soit créé dans une certaine dualité. Donc, bara-ra. Et lorsque, ça, c'est dans le monde de la Béria. Lorsqu'on est dans le monde de la Assia, dans notre monde, c'est marqué Osé Tov. Il ne peut pas y avoir d'intervention divine mal, ça ne marche pas. Donc, faut pas rentrer dans cette confusion. Tout est Dieu, alors c'est lui qui fait ça. Non, non, Osé Tov. Quand il y a une action divine, elle ne peut être que bonne. C'est le monde de la satisfaction. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un libre arbitre, qu'il n'y a pas une possibilité que le mal se fasse. Mais l'intervention divine ne peut être que bonne. À quel moment elle n'intervient plus, où il y a un retrait divin, etc. Ça, c'est les grandes questions qu'on a. Mais déjà qu'on sorte, en tout cas, moi, je sors ça de ma tête. Cette idée, il n'y a rien que lui, donc s'il n'y a rien que lui, bah, c'est lui aussi, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. On est dans le monde de la dualité, dans le monde de la science et de la dualité, il y a vraiment un principe du bien et du mal, il y a vraiment un principe de guerre des ténèbres, etc., contre la lumière, c'est une réalité, il faut être du bon côté. Et je vous montrerai avec l'aide de Dieu peut-être quelques explications que j'ai pu capter. Moi, ça m'a changé un peu mon concept aussi, hein. Maintenant, je sais qu'est-ce que ça veut dire l'amour inconditionnel. Je le vois autrement. Je sais qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y a rien d'autre que lui. À quel niveau ça se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il y a une nécessité d'une certaine justice. Comment ça va se passer après? Je ne sais pas, parce que là, c'est vraiment, on est dans le problème de l'ère messianique, et puis si c'était la dernière guerre ou non. Et comment être du bon côté? Et comment nous, maintenant, dans notre confusion, malgré tout, nous préparer, travailler sur nous-mêmes pour être du bon côté, qui est le côté de la bonté, quoi qu'il en soit. Mais ça ne veut pas dire que le travail qui doit être fait ne se fait pas au niveau de la justice, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc je vais couper sur ça et puis je vais vous écouter et rappelez-moi de vous montrer l'arbre de vie pour que vous compreniez que ce que je. Pas ce que je capte, mais ça peut nous aider devant cette chose-là, et il y a d'autres choses qui peuvent nous aider, je pense pas pour moi, parce que moi, quand je vois ces souffrances, je suis très très mal, parce que je suis un humain, parce que j'ai aussi beaucoup d'affection, etc. Donc on n'est pas simplement des anges, etc. Et je me pose la question, comment sortir de cette guerre? Ces personnes qui ont vécu ça, ou qui ont vu ce qu'ils ont vu, comment penser, comment guérir de ça? Et là, c'est une autre question qu'on doit se poser. C'est pas une question, hein. Je suis désolé, mais alors je vais